à jouer de la tête. Et sincèrement, de la tête, j'avais pas fait mes petits réglages comme je fais généralement avec mes disques, où on se fait un petit entraînement en tête pour trouver un peu les repères. Sincèrement, je me suis fait manger mais royal sur la tête. Wagner, il m'a fait mal. Ouais, mais et de la tête, j'étais à la fin. Juste à la fin, je crois, j'en prends une, je commence à retrouver le truc. Mais c'était déjà trop tard, il y avait 4-4. Les 4 buts, sincèrement, je crois que je suis fautif sur les 4. Mais comme je te dis, la finale, tout comme la demi-finale, on y est allé sans se prendre trop la tête. Ouais, vous attendiez pas les jeux finalement. Non, bah carrément pas. Moi, j'avais appris ça hier soir. Mehdi m'a appelé, j'étais en réunion secteur. Je lui dis bon, bah je peux pas venir pour le moment. J'essaie de venir. Il me dit oui, mais faut qu'on joue. On est qualifié, les Underworld, ils sont éliminés. Je suis bon, bah je rentre dès que je peux. Je suis rentré. Puis bah je suis allé voir sur le forum. Surprise. Bon, ça a dû faire plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Mais en même temps. Ce qui ferait plus plaisir, c'est de pouvoir au moins faire un EFT où il y a un peu de panache, parce que bah, cet EFT sur le parcours, c'est vraiment gentil. Hein. Les équipes vraiment d'un moindre calibre, on a réussi quand même à dominer, et encore juste, mais sur des équipes à poids équivalent, tu vois, comme Authentic, qui avait quand même une belle équipe. Je nous ai trouvé quand même un peu faiblard, mais bon, c'était pas beaucoup entraîné aussi, donc... Voilà. Ok. Bah dans cette finale, un peu la même question que j'ai posée au SM. À 3 versus 4, il se passe quoi de côté spécialiste? On n'était pas tous sur Skype ou Mumble, donc. Ouais. Moi, bah perso, je vais parler pour moi. Je suis yes. En plus, je crois qu'en plus on mène au score un truc comme 2-1 ou. Il a marqué juste après. Déco, en fait, Tommy marque, il marque un beau but en plus, il va en dribble, c'était un beau but. Et Déco, ouais. Dans la foulée, oui, je crois qu'il mange juste sur l'engagement. Sur le côté, il fait un petit tour sur lui-même, je pense qu'il va partir sur la droite, donc j'essaie de me stopper pour le bloquer, et à la finale il fait le tir, rater, mais vraiment dans l'axe, et je me suis fait cueillir sur ce coup-là. Ouais, et donc il décolle juste après, parce que son perso ne bougeait plus, comme s'il était passé en avion, c'est bien fait. En plus, je croyais qu'il voulait le regarder dans le canal. Il avait pas cassé les reins. Non, il avait cassé les reins. C'est bien fait pour lui. En fait, c'est toi qui contrôle les ordi à distance, appuyer sur le petit bouton. Je suis sûr. Les Underworld, j'ai dit non, c'est pas, y a pas moyen, faut qu'on passe. Ouais, là, c'est pas encore Paul, mais dans 5 minutes, c'est les specs qui sont les cœur. Ah oui, c'est vrai. On va trouver que Désiré et Luc par du côté de Epson. N'empêche, j'ai une remarque pour ceux qui joueront la finale du prochain EFC, fermez votre chat. Après, tu voulais regarder ce coma. J'ai trouvé que le gars avait super bien joué. Et sincèrement, sur la finale, je me suis craqué, mais méchamment. Je pense que je suis fautif sur tous les buts. Mais comme je l'aurais dit, fallait qu'on y aille, et puis sans pression, sans. J'aurais peut-être dû m'en mettre un peu plus, finalement. Parce que j'ai quand même, moi perso, le sentiment que ils ont fait ce qu'il fallait. Et que c'est peut-être moi qui ai pas fait ce qu'il fallait, alors que généralement, j'essaie de les booster. J'essaye vraiment de les motiver. Ouais, je me rachèterai, il n'y a pas de problème. Mais petite déception de ce côté-là. Bon, ça reste un beau palmarès hein, pour les spécialistes. Quatrième du dernier EFT, second ici. Il reste plus que troisième et première place. Je pense que. Au premier EFT, vous aviez fait quoi déjà? Premier EFT, il y avait l'affaire Jazzerino, on avait fini troisième. Il reste plus qu'à première place pour le quatrième EFT alors. Deuxième EFT, il y a eu l'affaire Roga Bonito. On finit quatrième. Ouais, et là vous finissez deuxième. Avec l'affaire Underworld. Donc voilà, on peut déjà se dire qu'il y aura une affaire au prochain EFT et que les spécialistes iront chercher la première place. Peut-être plus d'entraînement pour le prochain EFT, Mika? Ouais, ça c'est bien. Après, le jeu, je pense que c'est pour tout le monde pareil, tout le monde le voit aussi. Après, c'est une période de rentrée, donc l'avenir nous dira si le jeu reprend un peu plus, enfin, les joueurs ont un peu plus envie de venir sur le jeu, mais le jeu en ce moment, je pense qu'il n'y a plus vraiment de monde qui est motivé. C'est clair.
à venir sur le jeu pour venir jouer. Je pense que les gens qui viennent, c'est surtout pour venir voir les gars de club avec qui il y a des affinités qui sont là et qui font que, bah, quand même, t'as envie de venir voir les gars, t'as envie de savoir comment ça va, tu viens plus par plus ou moins cette obligation-là, parce que voilà, c'est comme des affinités, tu peux pas les zapper comme ça, que par vraiment l'envie d'aller jouer. Voilà. Donc, mais ça serait bien qu'on s'entraîne un peu mieux, un peu plus, ouais. Ça serait sûrement mieux. Aerosport va lancer un championnat, on pourra compter sur les specs pour ce championnat. J'espère qu'on y participera, ouais, évidemment, et puis j'espère qu'on pourra aligner 7 joueurs. Ça, c'est... Moi j'ai une question. C'est pas gagné pour tous les matchs, mais. Bon, vous avez quand même deux équipes à la base, donc non, vous ne devrez pas réussir à engager 6 joueurs facilement, non? Avec une deuxième équipe bricolée, puisque je ne savais pas si Emi pouvait jouer, sinon. Ouais. Voilà, Emi dans la 2. Emi, si je savais qu'il pouvait jouer, moi c'est une directe. On l'a un peu bricolé la 2. Ouais. Finalement, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Après, c'est dommage qu'ils n'aient pas pu être 4 sur l'ensemble de leur match. Après, il y a eu des bonnes choses, j'ai trouvé. Mais bon. Il y a eu des moins bonnes, parce que c'est le match où ils se font remonter par les Rustiques après avoir mené 3-0. Oui, je me rappelle. C'est leur premier match, il me semble. Perso, c'est je voulais ça, ouais. Juste tenir à féliciter Grand Nain, qui est le coupeur officiel d'Orange du club et qui a gagné le FT. Bravo Grand Nain. Eh oui, merci. Il y a aussi une félicitation à faire à Quaz, qui à mon avis ne savait même pas qu'on était en 8e, ni en quart, ni en demi, ni en finale, ni qu'on a gagné. Mais lui aussi a gagné le FT, il a plus gagné que Grand Nain, si je puis dire, parce que lui, il a joué 10 secondes. Non, mais je lui ai laissé ma place, c'est pour ça. Donc voilà, quand je vais lui dire qu'il a gagné le FT, ça va être. Je pense que ça va être quelque chose. Voilà. En plus, Grand Nain aurait pu avoir l'occasion de jouer le jour de son anniversaire, il a préféré ne pas jouer. Eh oui, c'est ça, j'ai préféré. Vrai, c'était un beau cadeau, mais non, trop d'honneur pour moi. C'est trop de pression. Ok, ben, maintenant pour les Elsan, victoire sur un EFT, tête de l'EFT. Un t-shirt aussi, on va voir un t-shirt. Un t-shirt, c'est le jackpot là ce soir. C'est magnifique. Et oui, c'est enfin, ouais, j'ai envie de dire. Ah ouais, depuis le temps qu'on y courait après. Ouais, c'est clair. La dernière fois, c'est les autres qui font finale. Nous, on perd en demi contre les Underworld avec le match qu'on connaît. Déjà à 3 contre 4. Tous les autres FT d'avant, il me semble. Encore semi d'ailleurs. Et quelques-uns, on perd à chaque fois contre l'équipe qui va au bout, c'est-à-dire les Bob. On a énormément perdu contre les Bob quand ils étaient imbattables dans les phases 8e, quart. Paul, je pense que tout le monde a perdu énormément contre les Bob. Ouais. Ils étaient imbattables. Tout le monde dit qu'ils étaient imbattables, mais à chaque fois on perdait. Pas non plus en faisant des matchs pourris. Le dernier match qu'on perd contre eux avant que c'est cool, avec la manière qu'on connaît, et on perd, je crois, 5-3 avec un match, ouais, 6-3 avec un match. Ouais, à la fin. Il avait mis 4 buts, enfin voilà. C'était pas. Voilà, donc là, enfin. Ah oui, pile au mental. Hein, c'était laborieux, on finit hier, on joue très très mal et on gagne. On gagne un pélo, ce soir on a Tommy qui déco alors qu'on avait la sensation qu'on jouait un peu mieux. Le prévu qu'on marque, Michael a dit, il était beau et on jouait mieux au sol, etc. Et voilà, quand on a un joueur qui déco, quand on est 3, bah, on joue sur d'autres points forts. Et le point fort le plus facile entre guillemets qu'on avait, c'était la tête de Wagner, ça a bien marché. Bah, j'ai marqué le 4ème but, je sais pas de la tête, Paul, quand même. Je te dis, oui, oui, oui. Bah, on marque 2 buts. Ouais, le ballon, enfin le gardien repousse ou. Non, c'est moi qui l'ai dit, ouais, mais sinon, la plupart, c'est le gardien qui la repousse. Bah, y a deux tirs un peu à la Milian, comme on dit. Y en a deux comme ça, et deux autres qui se font suite à des têtes, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, mais beaucoup de tentatives où toi, t'essaies de faire la tête avec le gardien qui essaie d'être couché et après. Beaucoup d'occasions comme ça aussi. Après, même si c'est moche, c'est très très moche, et vous étiez quand même 3. Bah voilà, c'est ça, on n'avait pas le choix, quoi. Ouais, la première chose que j'ai dit dans le chat club après, c'est franchement désolé d'avoir joué aussi dégueulasse, mais... On n'avait pas bien le choix, malheureusement. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu, et puis bizarrement, pour une fois, ils nous ont pas dit « Merde, vous avez joué moche, quoi. » C'était plutôt « Non, il n'y a rien à dire. » Bon, prochaine EFT, Paul, tu vas aligner que 3 joueurs parce que. Bah, perso, le milieu sera un petit peu rien, non, on dirait. Ouais, enfin, je vais surtout lui demander d'arrêter et d'ouvrir son chat. Le reste,
Mais si j'ai envie de parler pendant le match, putain. C'est pas que t'avais envie de parler, surtout que t'avais envie d'aller voir les autres qui écrivaient, genre Tomino, beau gosse, quel but, ah oui, quel buteur. Je voulais trop. Mais le problème, c'est que Tomino, bah, t'as été handicapé au classement des buteurs, du coup. Eh oui, maintenant. Hein. Ah oui, ça, ah, les connexions, ça enlève des temps de jeu. Non, je peux. La prochaine fois, je crois même que j'ai marqué. Non, j'ai marqué moins de buts que toi, mais je suis pas loin de toi. Tu vois, c'est. Ah oui, parce que c'est grave, quand même, c'est grave. Ah oui, ce Chipol marque plus de buts que Tommy, c'est de la quand même. Mais non, mais là, c'est bon, j'arrête le jeu, quoi. Bon, on va s'arrêter sur ces sages paroles de Tomino, hein, qui décide de prendre sa retraite. Voilà, avec plaisir. Je rappelle, un petit rappel des scores, les Rustiques ont perdu face aux Croix-Rousses. J'ai pas le score, Tom, est-ce que tu peux me rappeler? Allô Tom. J'ai perdu Tom aussi. C'est Tom est parti aussi, oui. Je perds tout le monde en cours de route, c'est juste génial. Bref, les Croix-Rousses sont imposés face aux Rustiques 1 et ont pris la troisième place. À la seconde place, nous retrouvons les spécialistes 1 de Mika Zizou qui ont perdu face au Elsan 1. 4 buts à 2 au tir au but. Fin du temps réglementaire, fin des prolongues, 4 partout, tir au but, 4 buts à 2. Et victoire donc des FSAN dans cette EFT qui prennent la tête de l'EFT, prochaine EFT dans quelques mois maintenant, ouais. dans pas longtemps, mais un petit peu de temps. Maintenant, là, on va se tourner vers l'EFT, la mise à jour qui vient de l'apporter. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Je peux faire un dernier message avant que vous. Vas-y, un petit dernier. C'est un message de remerciement, un remerciement pour Ethan, Wagner, Tommy, forcément, Grandin, Cole. Toute l'équipe des Elsan, normal, enfin voilà, parce que ça fait longtemps qu'on... La dernière victoire des Elsan, elle remonte à plus d'un an, il faut le dire. Hein, merci, Capitaine. En club, donc voilà, Spider, T-Max qui est passé ce soir en mode pot fleur, toute Moses, Tom, Wagner, Smog et Ledel, j'en oublie, Sir McLean. Sinon, il veut pas. Tu vas te faire pleurer. C'est mon dernier message, c'est un message d'amour à Lola et Tribal. qui ont été, semble-t-il, très satisfaits de notre victoire ce soir. Et voilà, j'aimerais les remercier et leur faire un petit grand hommage parce que c'est grâce à eux qu'on est là ce soir. On va s'arrêter dans l'amour. Moi, je vais remercier Mika Zizou d'être passé ce soir. Je vais remercier tous les Elsan, hein, ça a fait un petit peu beaucoup de monde à citer, donc je vais faire un autre groupe. Hein. non, je ne le cite pas par un. Je vais remercier aussi les Power Rangers vert numéro 1, alias la tenue vert Tom, alias Tom, qui m'a bien aidé pour commenter ces matchs. Le Power Rangers numéro 2, alias Tutmosis, à la technique. Et je vous remercie à vous de nous avoir suivis durant tout cet EFT. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission. Et je vous souhaite une bonne soirée. Sortez couverts. Sortez couverts. Sortez couverts. Voilà. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Pour pas revoir aux jeux petits filtres perlés, ne laisse pas trop couler de temps sous ton filet. On est champion. J'ai du colisme. Il reste un château sans vie. Allez, Paris! Allez, ma tête! Mika, t'avais pas parié avec moi que Gonzo allait aller à Paris? C'est ça?
tu m'avais dit à une époque que Django était sûr il allait finir par la musique. Attends. En janvier.